Ça te plaît? C'est beaucoup froid, c'est joli, c'est magnifique. Tu es allé voir la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, le Montparnasse, le Sacré-Cœur, Notre-Dame, Champs-Élysées. Champs-Élysées, et les bains douches. Oui. Et alors tu viens pour faire la promotion d'un film qui s'appelle Si tu vas à Rio, tu meurs. Oui. Tu joues dedans? Avec Aldo Machon, je joue. C'est fantastique, c'est comique. C'est le premier film à Paris. Mais au Brésil, tu es une star énorme, non? Ah oui, je fais beaucoup de films au Brésil. Ça fait combien de films au Brésil? Trois. Trois? Et ça, c'est ton premier film en France? Oui. Et ça t'a plu? Tu vas continuer? Beaucoup. Alors dis donc, il y a un problème, c'est que moi, je te trouve très très jolie. Et puis, il y a des gens qui me disent que tu serais pas vraiment une fille, que tu serais peut-être un garçon. C'est vrai? C'est pas vrai. Oui. Mais c'est pas grave si t'es un garçon. Ah, pas de problème. C'est Paris, c'était possible, non? C'était possible à Paris. Oui. Surtout que les Brésiliennes à Paris, c'est souvent des garçons. Ah oui. Tu veux pas me jurer que t'es une fille? Oui. Peut-être. Pourquoi tu veux pas dire que t'es un garçon? C'est pas pour un film, hein, que je jouais là. C'est parce qu'il y a des Julia qui s'appelle la fille. J'ai joué le film. Donc, dans le film, tu joues le rôle d'un travesti. Ah oui. Et pourquoi ça te gêne de dire que tu es un garçon travesti en fille? Quel est le problème? Pourquoi je me sens comme femme? C'est pas comme un travesti. Pour moi, j'ai oublié ça de ma tête. Tu es devenue une vraie femme maintenant? Ah oui. Ça fait combien de temps que tu es devenue une vraie femme? C'est un petit enfant. Je me changeais de. Quand tu étais petit, déjà, oui. À quel âge tu as changé de sexe? 14. À 14 ans? Oui. Et quel âge tu as maintenant? 23. 23. C'est-à-dire qu'il y a 9 ans que tu es devenue une fille. Hein? Il y a 9 ans oui. Que tu es devenue une vraie fille. Ah oui. Et maintenant tu as oublié l'époque où tu étais un garçon. J'ai oublié tout. Tu as oublié tout. Tout. Et les garçons qui font l'amour avec toi, ils se rendent compte que tu es un garçon, un ancien garçon, ou ils croient que tu es une fille? Non, ils disent que je suis une belle fille, ils ne voulaient pas de problème. Mais quand on te voit comme ça, il n'y a aucun problème. Ah oui, pas de problème, c'est meilleur parce que c'est. Deux sexes. Ah, il y a des gens qui aiment bien les deux sexes à la fois. Ah oui. Ah non. Ça leur plaît aux garçons, ça. Oui. Et tu sais qu'en France, on n'a pas l'habitude de ça. Ah oui. Au Brésil, c'est courant. Oui, c'est normal. Transsexuel. Oui, c'est normal. Mais en France, c'est très rare. C'est un pays très chaud, non? Ouais. C'est différent de la France. Mais il y en a beaucoup d'êtres travestis à la France aussi, non? Pas vraiment, non. Non. C'est souvent des Brésiliennes en France qui sont des belles, des bons travestis. Je connais pas. Je ne te connais. Moi, je te trouve super. Merci. Je crois peut-être que pour la première fois de ma vie, je vais craquer. Tu crois que c'est possible? Tu crois qu'on peut... Mais j'ai vu une ici avant, ouais. Le studio, ouais. La chinoise. Ouais. Qu'elle parlait avec moi, qu'elle a fait l'opération, qu'elle maintenant elle est tranquille. Tu as fait une opération, toi? Non. Ah, tu n'as pas fait d'opération? Non. Tu as toujours un sexe de garçon? Oui. Ah, quelle chance! Oui. J'ai jamais essayé. Hein? J'ai jamais essayé. Oui. C'est bien? C'est bien. On va essayer alors. Ah, tu veux faire un bisou? Ah oui. Merci. I keep it coming.